En 2024, nous ouvrons Ecotri. En phase avec notre vision zéro déchet, cette innovation inédite va permettre de réduire drastiquement le stockage des déchets ultimes. Avec Ecotri, nous allons compléter le tri à la source par le surtri des déchets ultimes. Le surtri va nous permettre de valoriser 80% des matières issues des déchets ultimes. Cela signifie que sur les 65 000 tonnes de déchets traités chaque année avec Ecotri, nous en valoriserons 52 000 tonnes. Pour la première fois en Europe, notre entreprise associe et développe de nombreuses technologies différentes pour répondre à l'enjeu du tri des déchets ultimes. Avec Ecotri, nous utiliserons par exemple des robots associés à l'intelligence artificielle. Les différentes technologies permettront d'isoler des déchets mélangés pour créer des flux valorisables de qualité. Le process Ecotri a une dimension industrielle. Il se situe au cœur d'un bâtiment de 130 mètres de long sur 13 mètres de haut et 30 mètres de large. L'expertise du groupe Brangeon est mobilisée pour cette innovation dédiée à la baisse des déchets ultimes. Chez Brangeon, nous valorisons déjà 78% des déchets que nous prenons en charge. Avec Ecotri, nous allons désormais atteindre près de 90% de valorisation.